30 septembre 2024, cette date marque la deuxième année de la prise du pouvoir par l'UMPSR2, un événement qui a porté à la tête de l'État l'UMPSR2 dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré. L'objectif de ce groupe d'officiers est clair, mobiliser toutes les forces de défense et de sécurité et les VDP pour la reconquête du territoire national. Très vite, l'UMPSR2 obtient l'adhésion populaire. Le peuple burkinabé voit au capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement une équipe dévouée à redonner au Burkina Faso son indépendance véritable et surtout une volonté affichée de redonner au pays son intégrité. 2 ans après, plusieurs citoyens ont la conviction que le pays est sur le bon chemin. Plusieurs acquis ont été engrangés selon eux. On a récupéré des territoires, on a réinstallé des PDI, voilà, des écoles, des services publics ont été réouverts sur le plan alimentaire. Sur le plan alimentaire, beaucoup de réformes ont été entreprises. Beaucoup de réformes ont été entreprises, que ce soit au niveau du blé, que ce soit au niveau des semences améliorées qu'on a eu à essayer. Et durant ces 2 années, on a vu une amélioration exponentielle, tant sur le plan politique, tant sur le plan sécuritaire, tant sur le plan économique, sur le plan alimentaire, sur tous les plans, on a vu une amélioration. Et vu déjà cela, on ne peut que réconforter, on ne peut que renouveler notre confiance au régime actuel. Lors des assises nationales tenues le 25 mai 2024, les forces vives de la nation ont renouvelé leur soutien à la transition en permettant au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, de conduire la destinée du pays pour 5 années supplémentaires. Une décision accueillie avec joie par les populations. Pour eux, plusieurs chantiers sont en cours et du temps doit être donné au gouvernement pour les réalisations au grand bonheur du peuple burkinabé. Les citoyens ne manquent d'ailleurs pas d'exprimer leurs attentes. En tant que citoyen, moi, je peux parler d'abord du chômage, puisque à l'université ici, vous voyez, c'est y a le retard et puis bon, il n'y a pas de l'emploi aussi. Donc, s'ils pouvaient voir ce côté-là, ça allait beaucoup nous arranger. Voilà, essayer de désengorger un peu et les universités. C'est vrai qu'il y a le processus est déjà enclenché, mais on attend beaucoup d'améliorations, on attend beaucoup de choses sur tous les plans, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan sécuritaire. Il ne faut pas recycler les programmes éducatifs qui promet l'ignorance, qui promet la bêtise. Voilà, donc il faut un programme éducatif conséquent, capable de transformer l'être. Pour bon nombre de citoyens, c'est le moment pour l'ensemble des Burkinabés de faire bloc derrière les autorités pour mettre fin une bonne fois pour toutes au terrorisme et permettre au Burkina Faso d'amorcer son développement. Ils appellent surtout à l'union et à la cohésion sociale entre les populations pour une paix retrouvée.